Avalanche, Crête de Chaillol, Serre Chevalier, Monottier, Hautes-Alpes. Mercredi 20 janvier 2021, la personne accidentée est indemne. Nous avons eu beaucoup de chance. Cette vidéo nous rappelle à tous qu'il faut toujours avoir un DVA, une pelle et une sonde sur soi lorsqu'on pratique le sport en montagne. Je partage avec vous cette vidéo dans un but de sensibilisation au risque d'avalanche, qu'elle soit causée accidentellement ou qu'elle ait une origine naturelle. La victime a été impactée violemment par le front de l'avalanche et propulsée en l'air par la puissance de l'impact. L'alerte avait été donnée dès le départ de l'avalanche par des cris d'alerte, ce qui a permis de nous donner quelques secondes d'avance pour nous éloigner et nous préparer à l'impact. J'ai réussi à m'éloigner sur la gauche, mais mon ami n'a pas eu le temps de se dégager de la trajectoire de l'avalanche. Heureusement, il avait mis son kite au zénith, ce qui lui a permis de garder une portance lors de son éjection en l'air et d'esquiver le front puissant de l'avalanche. Il est atterri au milieu de la coulée et s'est fait entraîner sur environ 50 mètres. Lorsque l'avalanche s'est arrêtée, il était enseveli sous environ 60 à 80 cm de neige. Il a réussi à se dégager de la neige tout seul, s'est déconnecté de son matériel de kite, puis est redescendu en biais en glissant avec son snowboard. Il s'en tire miraculeusement avec une entorse du ligament. Mon ami était équipé d'un DVA, il était allumé, et une personne sur place équipée de DVA pelle sonde avait déjà commencé les recherches. Le PGHM avait été appelé instantanément. N'étant pas au courant que le PGHM avait été appelé, j'ai rejoint au plus vite mon sac pour passer l'appel de secours au PGHM, et c'est à ce moment-là que j'ai vu mon ami en contrebas, sain et sauf. J'ai alors rejoint la personne qui cherchait mon ami dans l'avalanche afin de lui demander de rappeler le PGHM et d'annuler la demande de secours, car mon ami était plus bas, sain et sauf.